Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous expliquer le sens de la photographie de mon livre « Manuel de coaching » qui est actuellement en vente sur Amazon. Mais même lui va comprendre, là. Alors, comme la plupart de mes sketchs, on peut interpréter cette photo d'une manière superficielle et peut aussi d'une manière un petit peu plus profonde. Voilà. Voilà. Alors, quand on regarde la photo, à première vue, on voit que je suis assis sur un fauteuil, une paire de lunettes dans une main et puis un poivron dans l'autre. Je tiens même un œuf dans la droite, mais là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, je n'en sais rien du tout. Hein, mais bon, il y aura toujours un psychanalyste ou un critique en art contemporain qui trouvera une explication, hein, qui trouvera un sens. Les lunettes symbolisent la clairvoyance, le discernement, la subtilité, l'analyse, l'intelligence, l'éveil spirituel, la lumière. Le poivron, lui, en fait, symbolise un con. Hein. Lui, au contraire, il symbolise, si vous voulez, le cerveau d'un bêta sous, la bêtise humaine, les ténèbres, l'obscurantisme. Et puis, tous ceux qui, en général, ne voient pas au-delà du premier degré, qui ne voient pas au-delà des apparences, au-delà du voile, c'est ceux qui ne saisissent pas les subtilités d'un discours politique ou tout simplement d'un poème, hein, par exemple. Les lunettes et mon regard, on voit bien, ils sont dirigés tous les trois vers le poivron qui est le centre d'intérêt malgré sa position excentrée sur la photo. Nous nous demandons, mes lunettes et moi-même, comment fonctionne le cerveau d'un poivron pour être aussi con? C'est intéressant ça. Hein, le cerveau des cons est en effet un véritable mystère qui mérite une étude très approfondie. Mais attention, cette photo est beaucoup plus profonde qu'on ne le suppose. Et voici ce que la photo ne montre pas. Attention, accrochez-vous. D'abord, elle a été prise avec un appareil photo Canon. Bon, ça c'est peu importe, dont le retardateur a été déclenché avec mes organes génitaux. Moi j'y tenais absolument, c'était important pour moi. Ça ne se voit pas sur la photo évidemment par pudeur, mais si vous voulez, je voulais exprimer par là l'aspect ontologique archétypal que je transmets dans mon album. Moi-même, je ne comprends même pas cette phrase en fait, qui est alambiquée, qui est compliquée, et puis je ne la comprends pas tellement, en fait, elle ne veut rien dire, à première vue. Quant au poivron, lui, il a la particularité incroyable d'avoir la même forme que lui-même. Il a le même poids que lui-même, il a le même volume que lui-même, il est unique au monde, il se ressemble lui-même, point par point. Moi, je l'ai trouvé par hasard dans un rayon de fruits et légumes de supermarché. D'autre part, ce poivron est en réalité la vessie d'un animal imaginaire qui peut servir de lanterne pour éclairer les aveugles qui ne voient pas l'absurdité des propos que je suis en train de tenir actuellement. Le fauteuil sur lequel je suis assis est percé. Ça ne se voit pas sur la photo. Et pourtant, je suis en train de faire. En regardant le poivron, eh bien, j'incurgite par mon cerveau, par le haut, donc, les conneries du poivron que j'expulse ensuite par mes voix basses naturelles grâce au fauteuil percé. Vous voyez l'utilité d'un fauteuil percé. En fait, j'expulse avec fracas toute la merde qu'on ingurgite quotidiennement. Ça peut être les infos en continu de BFMVC. Elle est mignonne celle-là. Voilà. Voilà ensuite, toute la haine ordinaire qu'on entend dans notre entourage, la pornographie, la violence, sous toutes ces formes qui polluent nos esprits, en fait. Hein. Voilà, désormais, écoutez, vous savez tout des secrets de la première couverture de mon livre, Manuel de coaching. À bientôt pour une prochaine vidéo.